Hola. No, 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 no. Mec, mec, c'est un kebab, eh? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo, Camille. Ça, c'est la bacalaïf. Because I'm different. Vous voulez que je vous explique? Je peux faire que 10 euros par 10 euros. Bifo partout! Après, tu m'aimes! Yeah, yeah! Dis-moi que tu m'aimes! Dis-moi que tu m'aimes! Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes! Dis-moi que tu m'aimes! Ouais, ouais, dis-moi que tu m'aimes! Tu peux me l'envoyer? Attends, je prends plein de vidéos là. Ma boule flex. Allez, plus loin. Oh. Ah, mais t'as des petits bras. Cerise, et quand je dors, je suis sérieuse. Et arrête de me faire chier. Il s'en fout lui aussi. C'est joli, hein. On l'avait pas vu deux jours. Et là, tu peux pas te mettre tout nu dans ton jacuzzi, quoi. Attends, snap. Les fans, les groupies. Wouh! C'est une sale gueule. Pourquoi il n'y a que mes cheveux qui font ça? Sympa. Ouais, c'est solide. Ils sont gras. Internet en même temps et je vois que Muse Prévoyant, c'est une arnaque bizarrement. Non, mais moi je vois sur internet que après ça fait des prélèvements tous les mois inexpliqués et qu'après c'est impossible. Je suis désolée madame, ça m'intéresse pas.
et je trouve ça bizarre. J'ai jamais payé 21,90€ par mois en fait, donc je comprends pas du tout ce que vous voulez. Là je trouve ça bizarre comme truc, en plus c'est arrivé dans mes spams le mail. Souvent dans ce bar J'adore, c'est trop mignon. Paris, je t'aime. Oui, oui. Paris, mon amour. Bah, tu bonjour, t'es mis Paris. Juste devant le Sacré-Cœur, donc toi, tu gâches tout. Bonjour, je m'appelle Hector et ce soir, on s'est retrouvés à 22h, 23h, parce qu'on n'avait rien à faire. Voilà, ça, c'est notre life en ce moment. Boy, I try to catch myself, but I'm out of control. Ce soir, le programme, bon, en vrai, il est pas très intéressant pour vous, mais c'est juste, on va prendre un Vélib. Tu peux être une star à Paris sans argent, y a pas de souci. Mais c'est mieux d'en avoir, parce que sinon, tu te fais vite chier quand même. Vas-y, fais un. Moi, j'en ai. Fais un clap. Il a dit il en avait, il a 12 euros sur son compte en banque. Voilà. Coucou les loulous. Donc on a 14 minutes de trajet. Assez physique car tu pèses ton poids. Bon, oh allez. Non, c'est des pavés. C'est des pavés. Non, 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 non. Ah ouais, mais non, mais là, mais repartir en course, c'est un enfer. Je suis désolée, je vais te... On est bien arrivé à la maison. Tout s'est bien passé. Hector a un peu râlé sur le retour, mais c'est normal. Assez physique. Chez moi, je vais faire un vlog, un peu tout pour l'heure dans l'entrée. Cuisine. Salon. Et après, j'ai une terrasse. Tada. Attendez, on va pencher la guirlande. Trop choupinou. Imagine tes toilettes d'appart, elles étaient condamnées à être des toilettes de bar, genre dégueulasses. Oh, t'as mis des loupiottes. T'as mis des loupiottes. Ouais. Mais t'as acheté ça où? C'est à mes parents, je leur ai pris. Ah, ben c'est super ça. Coucou les loulous. Ben, on n'a pas filmé hier. Choqué des toilettes. Moi aussi, je veux trop une mini décapotable comme elle. Elle est trop belle, t'as vu? Oui. Je veux... Quartier Pont-Saint-Louis, zéro toilette, nul. Ouais, voilà. Puis du canoë, de l'aviron. Lisa derrière, elle danse en fait, elle fait pas du canoë. Alors là, le truc c'est que j'ai pris un Vélib pour rentrer chez moi, sauf que le Vélib a décidé d'exploser. Sur le chemin, donc là c'est-à-dire que j'ai la jante qui est enroulée autour du dérailleur. Toutes les stations sont pleines. Vous entendez le bruit de mon Vélib? C'est pas nécessaire ça. Personnellement, je trouve qu'il y a trop de pollen dans l'air, qui agit beaucoup trop sur mon système de mucus nasal. Faire un bon kiné des yeux. Mais oui, tu fais un bon kiné des yeux. Bon kiné des yeux. Bon kiné des yeux. Bye bye. Okay, si on part à Dubaï là dans une heure, ça te dérange oui, pas? Il y a des chaises là si vous voulez. Excusez-moi. Allez, vous escaladez pas. Hein. Allez, à tout de suite. Ça dit quoi la coupe là? Il y a Hélène qui arrive. D'accord. Mais comment on va faire pour. Moi j'ai cinéma à 16h. Hein. Elle nous oblige à plier ses vêtements, wesh. Bah, elle en donne aussi. On est exploité, genre. Ouais, j'ai pris une petite marinière, Mimi. Moi, je prends un haut rouge. Comment tu espères que ça rentre? Ça va passer. Si, si, moi, je sais que ça passe. Faut que je m'assoie. Elle est bête, elle. Je sais que là. Mais t'en as vécu des choses, genre, pour son petit âge. Oui. Tu filmes là? Ouais. Merci beaucoup. Pas toujours, hein. Là, il y a une perspective. Là, t'es caché. Là, t'es pas caché. Coucou les loulous. Ouais, t'es raciste, homophobe. Ah ouais.
Elle a vu que t'avais joué. Elle m'a dit, non mais elle, quand elle m'a appelé pour que je prenne le logement, elle me dit, mais vous tombez dans votre vie. Après vos études, tu sais que la nationalité, tout ça, c'est... Mais elle est un peu fermée d'esprit, quoi. Nécessaire. Ses yeux me font peur. Mais. Non, je suis bien là, putain. Mais on met du temps à la go quand même, hein. On rigolait le chat. Chut, il a brûlé mon jogging. Ça sentait bien brûlé, hein. T'es fière? Saint-Lazare. Elle voulait nous laisser dans son appart, aller voir son film toute seule, attendez, et revenir moi, après. C'est pas moi qui ai proposé, c'est vous qui êtes venus là, comme des grands. Et voilà. D'accord, c'est un peu dégueu. Bah non, à peine. Ça te dérange? Non. Et tu peux même faire des petits personnages si tu veux, Victor. Non, monte pas ce que je fais. Là, nous avons décidé de manger des énormes sandwichs italiens. Framboise, salade framboise. Waouh, énorme. Et Hélène a fait le bon choix. Toujours le bon choix. Toujours, ouais, c'est moi qui fais les bons choix. Il y a un monsieur qui a un perroquet sur son épaule, mais c'est un vrai. Hector, je l'aime pas, il fait trop des blagues trop nulles. Elle a vu ça au loin et elle m'a dit, mais c'est un canard. On dirait vraiment un canard. Tu gâches le plan. Mais un boule qui chamboule. Faut continuer de monter. Elle habite tout en haut. Ah putain, mais Théma, je lui offre une plante, Théma, où elle la met? You don't have to, you have to move, it's a video. Guapa, que guapa. Allez les gars, avec moi. Comme le restaurant. Ciao. Ah merde, j'allume là. Non, rien. Ouf. Hola, mi amor. Buongiorno a tutti. A Franco. Antoine, je lui ai dit, ouais, ça me gratte l'œil, t'as pas l'impression il y a un truc et tout? Tu m'as dit? Tu m'as... Attendez, allumez la... Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que j'ai un truc à l'œil ou pas? Il me dit, non, franchement, tes yeux, ils sont tous les deux pareils, hein. T'es ma gueule, wesh. Je te jure, je suis en train de faire une allergie. Coucou les loulous, vous m'avez manqué. Ailleurs, le vlog, je suis roux. Voilà, hier, j'ai eu une petite lubie, j'avais envie d'être roux. Bon bah là, du coup, je fais juste un petit crochet par Monoprix pour aller m'acheter une couleur, parce qu'en fait, c'est dégueulasse. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je vais faire un brun clair, ça va être sympa. Où est-ce qu'elle m'emmène? Oh, il a dit 5e étage, bout du couloir. C'est beau. Oh là là, karaoké. Non, bah non, on voit la tour Eiffel. Donc là, on est face à la tour Eiffel. Je vais retourner la caméra dans 2 secondes. On dirait pas comme ça, mais elle est vraiment prête. Hein. Voilà quoi, une vie de privilégié. On est en train de claquer tout notre salaire dedans. Wow. La tour Eiffel est allumée.
Alors, ce matin, pourquoi aussitôt? Vous me direz, parce qu'on va à Lyon. Du coup, là, je sais pas si j'ai les yeux gonflés, parce que je viens de me lever, et qu'il est 7h30, et que je me suis pas levé à 7h30 depuis l'année dernière, ou parce que je fais des allergies. Va vous dire. Hop. Ah bah là c'est bien réveillé hein. Ah c'est une vidéo. Mais oui c'est une vidéo. Bisous. Bonjour. Pourquoi? Pourquoi? Tu me saoules. Bah du coup là on est dans le train. On n'a même pas été surclassé. Regardez comme c'est joli Lyon. On est comme des petites folles. Bah pour l'instant, on est dans des marches. On est bien accueillis à Lyon, en tout cas, on doit attendre. On a retrouvé notre copine. Regardez comme c'est joli comme ville. C'est joli, hein. Putain, c'est magnifique. Il y a la Tour Eiffel à Lyon, je savais pas. Mais c'est trop mignon. C'est une prison, genre, c'est trop chaud. 5 étages. Oh putain, ça tue. Eh putain! Mais tu dois crever de chaud ici par contre, mais. Oh, c'est beau! Bienvenue les petits amours! Vous voulez faire passer cet après-midi ou. On va au pute! Sur le toit? C'est par là. Donc on monte là, et après il y a un mec qui se met en haut et. Au concert de Beyoncé là. On se retrouve encore une fois tous les deux pour visiter Lyon puisque Luna accourt. Elle est en mode. Regardez, c'est la défense. Mais Lyon il copie trop Paris. Non mais c'est trop kiki. Non mais il y a une Vespa et tout, c'est trop kiki nous. On est en Italia ou quoi? Bonjour à tutti. À grande place. Non, on n'est pas à Rio. Mais c'est pas beau ça. Hein. Oh là là. Oh, c'est tout décrépit et tout. Il y a écrit quoi? Waouh. Waouh. Regardez la belle fontaine. C'est des poneys et tout. Elle est. Alors regardez les bus de Lyon. Genre vraiment, il n'y a aucun sens. C'est des mi-bus, mi-train qui sont câblés là. Mais regardez comment ils font que copier. Mais qu'ils sont jaloux en fait. Ils nous piquent la Tour Eiffel et tout. Ouais, fun fact. La Tour Eiffel à Paris. Et bah c'est un phare. Mais tout le monde le sait. C'est une antenne aussi. Non mais regardez, c'est un vrai voyage dans le temps. Ressourçant cette ville. Alors là on est sur le Rhône ou la Saône, je sais pas. Je crois que c'est la Saône. C'est beau hein. Enfin là il y a un grillage mais attendez. Waouh. Et là on va vers la Tour Eiffel. Alors là on vient de rentrer dans le vieux Lyon. Regardez comme c'est vieux. Oh. C'est super vieux. Genre là les pavés ils sont vieux et tout. Bon là on s'engage dans une étape périlleuse. C'est bon. 12 000 marches. On fait une pause. Alors là, découverte de la ville prend une toute autre tournure. On est en train de crever. J'aurais dû mettre mes chaussures qui tuent. J'ai chaud. C'est que des immeubles quoi. Bah comme à Paris hein. Bon bah voilà. Les femmes, pour affronter mon cœur. De retour pour la pause. La pluie est mignonne. Oh, mais comme cet avocat! Regarde comme il est parfait! C'est un avocat de film! C'est l'heure du casse-croûte, man. C'est l'heure du casse-croûte time. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Terrasse. Ça me saoule. Allez, courez. On va chercher
La loloche. On arrive avec Laurette. Laurette Cortet. Elle est là. Est-ce que je fais des vlogs maintenant, je suis youtubeur. Bon bah là on attend les pizzas sous la pluie. Avec la Cortet. La Cortet. Dis bonjour à la... Alors je fais un vlog. Bonjour, c'est Lyon. On est dans une safe place. Moi, c'est le vlog de la vérité. Le vlog de tous les mensonges. Tout est, voilà, tout est mis au grand jour. Mise en abîme. Oh là là, ils ont l'air tellement bons. Oui. Merci. Moi j'ai le truc que personne aime. Ouais, si, j'adore. Bon, je balance un peu la vérité sur Lyon, même si c'est une ville que j'apprécie énormément. Il y a trop de marches. Là, on va jusque là-bas. Parce que je comprends pas. Vous avez pas l'impression d'être dans LOL, le moment où genre ils font des essayages. Ah oui. Et genre il y a de la musique en mode enjoué. C'est ça, elles sont belles. Je vais pas un peu. Oui, un peu. Bah. Ah non. Regardez les bagues comme elles sont belles. Celle-ci est trop belle. On a. Queen. Oh, la Queen Wish. Allez les boudins. Excusez-moi. Vous pouvez me parler de votre bouteille? Alors c'est une bouteille, généralement, en tout cas, ça a 1890. On est sur du blanc. On est sur du blanc, là on peut le voir à la couleur au niveau de la robe, comme on disait en fait les... Comment est-ce qu'on prend ce van par exemple? Bah avec le permis et qu'une clé, je pense à un peu de gasoil. un petit verre. Oh bah écoute. En détente hein. Il y a tellement d'escaliers à Lyon, regardez. Non mais on voit pas. Elle a chuté. En live. Toujours la bouteille en main. Wouh. La météo c'est du fake en fait. On nous a dit qu'il pleuvait et il fait genre trop beau tout le temps. Moi je dormais dans la véranda, je me suis réveillé dans un four. Bonjour. Lolo nous a quitté. En oubliant la moitié de sa valise. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de ton humeur du jour? Est-ce que t'es plutôt soleil, nuage avec de la pluie? Fatigué, donc du coup t'es plutôt nuage. On se retrouve encore une fois à aller fouiller les poubelles, les déchets. Regardez le jogging, il est trop swag. J'ai envie de le porter dès demain même. Mais regardez la traboule. Ah, la traboule. On peut aller au bout de cette traboule, voir ce qu'il y a. Mais c'est Traboule Land. Waouh. Et après, ça déboule sur une autre traboule, là. Là, il s'est trompé de traboule tout à l'heure. Regardez mes coups de soleil. C'est hard, hein. Regardez la belle traboule. Là, on est dans une traboule. Là, c'est trois boules, quoi. Genre, je me sens trop trabouleuse, là. T'es trabouleuse, hein. Moi, je suis trop traboulette. J'adore, c'est trop mystérieux comme traboule. Mais on est trop dans cette traboule. Regardez, la traboule. Vous êtes très rouge, madame. Oulala. Hector, il ne touche pas une seule quille. Je pense qu'il le fait exprès pour nous laisser gagner. Ta gueule. Hector, il est trop vénère parce qu'il fait que shooter dans le vide. Vous marchez comme une star, s'il te plaît. J'adore. Bon, star du Havre, hein, mais... Pause au tabac. C'est le tabac qui fait l'auto, café, point relais, tabac. Super. Loser.
il y a un gang d'enfants insupportables qui vient d'arriver dans le parc. Et genre là, c'est leur animateur, regardez là-bas. Il est trop zépo, il en a rien à foutre. Les amis qui nous ont rejoints. C'est Karine et Sandrine. Ça va les girls? T'es content? Hector, il est nuage sur l'échelle des émotions. On a très bien dormi puisque dans la nuit quelqu'un a troué la véranda et on a rien entendu. Quelle ville hein, que d'aventures. Voilà, on rentre à Paris, la ville à vrai. Des aventures. Là il va se passer plein de trucs à notre tour, vous êtes pas prêts hein. Il va rien se passer. Welcome Paris. C'est joli, hein?